existe en France, dans le sud-ouest, une presque mer, le bassin d'Arcachon. À demi fermé par le bouchon sableux du banc d'Arguin, entre la pointe du Cap Ferret et la grande dune du Pilat, il est brassé par le mouvement incessant des marées qui s'engouffrent par les passes nord et sud. De l'embouchure au fond du bassin, le Conservatoire du Littoral est un partenaire de la préservation de ce site remarquable. Les courants de marée maintiennent en suspension les particules nutritives et brassent l'oxygène nécessaire à la vie dans cet écosystème où deux mondes cohabitent. Le monde du dessus, celui des hommes qui s'activent en surface et qui ne soupçonnent pas les trésors de la biodiversité du monde du dessous. Pour l'entrevoir, il faut plonger dans cet environnement aquatique trouble et s'approcher des enrochements, des fondations, des épaves et des blocos engloutis. Les espèces ont appris à se protéger pour ne pas se faire manger, se dissimuler pour mieux surprendre, s'entraider, s'associer, s'agresser ou s'attirer pour se reproduire. Tous les stratagèmes et toutes les adaptations existent. Grâce à la photosynthèse, les végétaux comme les herbiers de zostère et les algues se développent en absorbant du gaz carbonique dissous dans l'eau et libèrent de l'oxygène. Leur présence est limitée à la profondeur de pénétration de la lumière. Elle est indispensable à la vie des animaux végétariens. Les carnivores, quant à eux, se répartissent dans tous les biotopes où ils sont le mieux adaptés à survivre. Ils sont tous en compétition et leurs comportements alimentaires sont très diversifiés. Les animaux benthiques sont fortement liés aux fonds coquillés, sableux ou vaseux, aux substrats durs et aux végétaux qui y vivent. Ils y trouvent leur support, leur cachette et leur nourriture. Bien fixés, les ascidies, les éponges et les anémones filtrent les particules nutritives en suspension dans l'eau. Elles sont encroûtantes, coloniales ou solitaires, et bien qu'appartenant au règne animal, elles ressemblent à des fleurs sous-marines. Elles sont broutées par les nudibranches. Leur taille varie du millimètre à quelques dizaines de centimètres. Ce sont des mollusques dont les branchies sont visibles. Ils sont hermaphrodites et déposent leur ponte en spirale. D'autres grignotent ces colonies incrustées sur les roches et les feuilles de zostère. C'est le cas de nombreux crustacés et de ce baliste à bec de perroquet. Ce rouget, cette ophiure et ce mollusque bivalve la lime sont des détritivores. Ils trouvent dans la vase et sur les substrats meubles leur nourriture. Certains digèrent leur proie à l'extérieur, telle cette étoile de mer glaciaire qui sort son estomac pour envelopper une moule, ou ces pourpres qui injectent des sucs gastriques à travers les coquilles, puis aspirent leurs victimes liquéfiées. Plus opportunistes et souvent nocturnes, les poulpes, les congres et les homards chassent des proies faciles, affaiblies ou mortes. Ils sont concurrents sur un même territoire et s'attaquent entre eux au prix de lourdes blessures. En pleine eau, le plancton se laisse dériver au gré des courants parmi les animaux qui se déplacent activement. Les plus petits sont mangés par les plus gros. Ces prédateurs carnivores rôdent autour des habitants benthiques pour s'en nourrir. La nuit, on peut les surprendre, comme cette sèche mimétique qui se fond dans son environnement, ou cette vieille et cette dorade à demi endormie. Le monde des hommes qui évolue au-dessus ne peut plus ignorer les trésors du dessous. Il doit préserver la biodiversité de cet écosystème fragile par des actions concertées et responsables. Issue du jeu des adaptations, des sélections et de l'évolution, la diversité du vivant a créé un environnement favorable pour l'humanité. Cet héritage est inestimable.